Jéroboam était un serviteur de Salomon, il construisait des villes pour Salomon. Et puis, vers la fin de la vie de Salomon, il y a un prophète qui l'a croisé sur la route. Et puis, il a pris son manteau de prophète, il l'a déchiré en 10 morceaux. Et il a dit à Jéroboam, « Voilà, l'Éternel te donne 10 tribus. » Et puis, à partir de ce moment-là, Salomon a voulu enlever la vie de Jéroboam, mais Jéroboam s'est enfui en Égypte. Et lorsqu'il est revenu d'Égypte, c'est le fils de Salomon qui régnait. Et plutôt que d'écouter les sages conseils des anciens de l'époque, il a augmenté le fardeau des dettes, qui était déjà très lourd à porter. Et finalement, il y a eu cette séparation avec les 10 tribus, qu'on appelait les 10 tribus du Nord, qui se sont séparées des 2 tribus du Sud, c'est-à-dire Juda et Benjamin. Et c'était la première fois qu'il y a eu ce schisme-là en Israël et que le royaume d'Israël a été divisé en 2 royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. 10 tribus au Nord, où nous sommes présentement, et 2 tribus au Sud, Juda et Benjamin, où se trouvait bien sûr la ville de Jérusalem et surtout le temple où on avait les célébrations des 3 grandes fêtes annuelles. Alors Jéroboam, c'est de l'idolâtrie, là, par excellence, entre guillemets, si vous voulez. Et puis, il a tellement commis de choses insultantes envers Dieu, l'idolâtrie à plein, que dans votre Bible, ça s'appelle le péché de Jéroboam, parce qu'il a conduit ce peuple-là, les 10 tribus, vers l'idolâtrie. Et il a construit un autel ici, dans la région de Dan, parce qu'on est dans le territoire de Dan. Au tout début, le territoire de Dan, ce qu'il avait hérité comme territoire, c'est là où nous étions à Tel Aviv et à Joppé. Ça, c'est le territoire original de Dan qui lui avait été donné par Josué au début. Mais comme on a déjà enseigné, c'était le territoire des Philistins, tout le long de la mer Méditerranée, à partir de Gaza jusqu'à peu près jusqu'à Haïfa. C'était le territoire des Philistins qui ont combattu énormément les gens de Dan. Alors, ils se sont fatigués de ça et ils sont montés jusqu'ici et ils ont pris de force la ville dont vous avez vu les murs, là, les vestiges des murs. Dans votre ville, c'est la ville de Laïs ou Shemen. Et puis, ils ont pris de force, et c'est terrible ce qu'ils ont fait aux habitants de cette ville, mais ils ont pris la ville de force et ils l'ont rebaptisée Dan, la ville de Dan. Et puis, Jéroboam, vous avez vu tout le trajet qu'on a fait pour monter ici, c'est quand même long. Alors, il s'est dit, lors des 3 grandes fêtes, les gens vont se décourager d'aller à Jérusalem pour célébrer les 3 grandes fêtes, offrir les offrandes à l'Éternel. Et peut-être qu'on va perdre également de nos citoyens qui vont préférer rester là-bas. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bâti 2 hôtels, un hôtel ici à Dan et l'autre à Bethel. Et il a fabriqué 2 veaux d'or. Ça vous dit quelque chose, le veau d'or sorti d'Égypte dans le désert? Construit un veau d'or avec l'or et l'argent qu'ils avaient pris des Égyptiens. Et puis, il avait eu l'audace d'appeler ce veau d'or-là « Votre Dieu Jéhovah ». Et puis, c'était l'idolâtrie qui commençait déjà après la sortie d'Égypte. Mais ici, c'était encore pire, c'était terrible. Il y avait 2 centres d'adoration, un ici et un à Bethel. 2 hôtels qui avaient été construits et 2 veaux d'or qui avaient été construits également sur ces 2 hôtels-là. Et puis, on adorait des veaux d'or au lieu d'aller adorer le vrai Dieu à Jérusalem, parce qu'il voulait garder son monde ici. Tout ce territoire-là, c'est un territoire vraiment conflictuel. Les hauteurs du Golan, on en entend parler dans nos nouvelles régulièrement, parce qu'il y a une partie qui appartient à la Syrie, une partie qui appartient à Israël, et ainsi de suite. Puis il y a toujours des combats sur les hauteurs du Golan. Mais c'est pas d'hier, là, parce que depuis toujours, en fait, depuis le tout début, c'est un territoire vraiment très contesté parce que c'est par excellence le territoire des géants qui date de l'époque de Noé. Et c'est surtout le territoire des Réphaïm que nous lisons dans notre Bible, dont le chef principal était Og. Vous vous souvenez d'avoir lu au sujet du roi Og, qui était immense en stature. Et puis, il y avait un lit, je pense, qui faisait quelque chose comme 3 mètres de long. Et puis, il était le responsable de tout ce territoire-là ici. Et son siège social était sur le sommet du mont Hermon. Le sommet du mont Hermon est rempli encore aujourd'hui de vestiges d'anciens temples, surtout de Baal.
et de différentes divinités païennes. Et c'est curieux parce que dans votre Bible, il y a comme un conflit entre le mont Hermon et le mont Sion. Le mont Sion appartient à Dieu, et comme le mont Hermon avait été consacré à ces divinités-là païennes, surtout Baal, dont les vestiges des temples sont encore là sur le sommet du mont Hermon. Et le mont Hermon, aussi, non seulement c'était le lieu chef, si vous voulez, de Og, qui était le principal leader de ce groupe-là de géants qu'on appelait les Réphaïm, mais il y avait beaucoup d'actions démoniaques dans la région ici. Toute cette région-là a toujours été très conflictuelle. C'est comme un combat spirituel là, qui se livre depuis des milliers d'années, en fin de compte. Et c'est un territoire vraiment très particulier sur lequel nous sommes présentement. Et vous allez comprendre des choses, peut-être que ça vous échappait auparavant, lorsque dans quelques minutes, nous serons à Banias et nous allons parler au sujet de cette grande déclaration de Jésus, « Je bâtirai mon Église ». Bien, et il a jeté les portes du séjour des morts, ne prévaudront point contre elles. C'est à dessein qu'il a fait cette déclaration à Banias. Il aurait pu la faire n'importe où en Israël, mais délibérément, il est monté jusqu'ici. C'est quand même à peu près 180 km de Jérusalem. Et à l'époque, il ne pouvait pas voyager aussi facilement que nous voyageons aujourd'hui. Mais il y avait une raison que je vais vous expliquer tout à l'heure pour laquelle Jésus a fait sa déclaration justement dans ce territoire-là. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous croyons que la transfiguration a eu lieu sur le sommet du mont Hermon. Parce que de toute façon, il était dans la région au moment où la transfiguration est arrivée. Il venait justement de faire cette déclaration à Banias qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il voulait construire son Église. Et quelques jours plus tard, il y a cette expérience de transfiguration sur le sommet d'une haute montagne. Bon, c'est pas écrit le mont Hermon, ça dit juste sur une haute montagne, mais puisqu'il est dans la région ici, la seule haute montagne, c'est le mont Hermon. Et ça fait beaucoup de sens que Jésus ait été transfiguré sur le sommet du mont Hermon à cause de la situation de ce territoire-là ici qui a toujours été conflictuel entre ces géants, puis les races des géants, puis les démons, beaucoup d'adorateurs de démons, Banias et jusqu'ici. Et puis, c'est pourquoi la transfiguration, nous croyons qu'elle a eu lieu là. Et nous savons que c'est pour ça que Jésus a fait sa déclaration de sa mission à Banias également.